sommes réunis sur partager l'expérience de recouvrement des recettes fiscales, en particulier du Sénégal. Puisque vous savez que dans le cadre de la surveillance multilatérale, nous suivons un indicateur sur les questions de mobilisation des ressources, particulièrement la pression fiscale qui a un objectif. Et cet objectif, malheureusement, ces dernières années, la plupart des États membres, lui au moins, ne l'ont pas atteint. Surtout que le plus performant, c'est le Sénégal, avec 18,2% de pression fiscale pour un objectif de 20%. Et je signale que les 18,2% auraient pu être supérieurs s'il n'y était le rebasage du produit intérieur brut qui a été effectué dans ce pays et qui l'a valorisé considérablement. Donc c'est fort de l'expérience de recouvrement des recettes au Sénégal que le Conseil des ministres statutaires de l'UMO a demandé à la Commission de venir partager l'expérience de ce pays pour que tous les États s'en inspirent. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc on va faire un partage d'expérience entre les États membres en espérant que les autres États membres vont pouvoir tirer des leçons et des recommandations qui seront portées à la connaissance du Conseil des ministres de sa prochaine session du septembre à Abidjan. Y a-t-il pas de contraintes? Y a-t-il pas un contexte qui a prévalu véritablement à ce que les autres États n'aient pas pu atteindre ces objectifs? Bon, on a fait un bilan, un diagnostic. Vous savez, la plupart de nos États ont subi plusieurs chocs. Les économies réagissent différemment aux chocs. On a connu des chocs de la COVID, vous le savez. On a connu des crises sécuritaires, des situations géopolitiques dans les États qui font que la fiscalité et l'organisation des services fiscaux pour recouvrer les recettes dans nos différents États varie d'un pays à un autre. Donc c'est tout ça que nous voulons mettre en place pour essayer de tirer profit des meilleurs élèves. Voilà, c'est ce que nous amène ici à Dakar pour essayer de tirer tout le monde en matière de recouvrement de recettes fiscales. Merci. C'est bon, merci.